get low when the whistle go. Tiens, nouveau message avant de partir. SMS. Amanda, ça doit être ma femme. Michael, tu as acheté un cours de tennis, mais tu ne t'en sers jamais. J'ai bien amélioré ma prise et mon contrôle de la balle. Le prof est très dur avec moi. Bise. Ouais, c'est ma femme. Ah, pardon. Salut à toutes et à tous, c'est Madgen. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de GTA V. Et donc là, on va faire une mission. Je vois que ma femme m'a envoyé un message à propos du cours de tennis. Et donc... un M, donc ça doit être... Faut aller chez moi. Donc on se retrouve encore pour une nouvelle mission. Et je vais arrêter mes enregistrements pour aujourd'hui. Parce que j'ai enchaîné 4 épisodes, je crois. Là, c'est le 4e. À propos du let's play. Donc j'aurais pris de l'avance, c'est ça qui est bien. J'aime bien prendre de l'avance. En tout cas, elle ronronne bien, cette voiture. Je pense qu'elle est à cause qu'elle est abîmée. Je mets pas de musique parce que j'ai peur de me faire supprimer la vidéo après. Par YouTube. Ah oui, merde. J'ai essayé de faire comme Franklin, mais j'ai l'impression que c'est pas la même chose, ça marche pas pareil. C'est pas grave. De toute façon, elle est déjà abîmée, on va rien perdre. Et puis je conduis bien, j'ai l'impression. Enfin, je maîtrise le véhicule. Voilà, on va appeler ça comme ça. Parce que pour dire que je conduis bien, normalement, faut respecter un peu les lois, on va dire. Même si on se fait pas arrêter. Pour autant, j'ai vu dans ce jeu, on peut pas se faire arrêter. Ce nombre de fois où j'ai grillé les feux rouges, etc., etc., j'aurais le droit à une prime. Oh putain. Oh, j'ai carrément défoncé le poteau. Oh putain, ça craint. Attendez, on peut faire ça encore ? Oh putain, on peut tout défoncer si on veut. C'est pas mal, moi j'aime bien, j'approuve. Hop, le lampadaire, j'adore. Bon, j'ai quand même envie d'avoir une voiture qui marche à la fin. Voici la planque de Michael. Vous pouvez sauvegarder vos véhicules en les laissant dans le garage. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Au moins si on trouve un véhicule, on peut le foutre dans le garage. Et là, par contre, on a une belle maison là de riche, comme il disait au début de la partie avec son psychologue, qu'il a une grosse baraque. Regardez-moi cette penderie de luxe qui permet de me changer là si j'ai pas au moins un costard cravate. Je ne comprends pas. Promenez-vous dans la maison pour découvrir les activités disponibles. Donc il y a plusieurs activités disponibles. Je pense qu'on peut boire, manger, même regarder la télévision. Donc ça, on va la laisser... Bah écoutez, on va les laisser dans le garage. Et je vois qu'ici, on a une Audi. J'ai l'impression que c'est mon véhicule. On a un super beau véhicule. Il est magnifique. Donc là, on rentre dans la maison. On a deux immenses portes. Donc là, il se passe... une journée. Non, le matin. Je vois qu'ils sont en train de se cripper le chignon là, se cripper le chignon, la maman et la fille. C'est le bordel, le père il est posé, là il est dans son transat, là il met ses écouteurs, il fume un cigare et il boit un whisky. Là il est tranquille le père alors que les deux filles sont en train de littéralement de se cripper le chignon. Elles sont en train de s'insulter, j'ai vu. Oh putain, c'est le gros bordel. Ouais, par contre, je suis désolé, monsieur YouTube. Hein. C'est la musique, c'est pas moi qui l'ai mis, hein. C'est monsieur Rockstar. Hein. Ah, tiens, il est revenu. What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. J'aurais pas vu, attends. Il m'a braqué un flingue sur ma figure. Je lui ai volé la voiture et encore il m'a mort un coup comme si rien ne s'était passé. Look,
I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. C'est ça. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Mm. You're gonna rip people c'est off ça. And get paid for it. Je suis en train de lire, hein, je fais des commentaires à ce qu'ils disent. What I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. Not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. We're taking my wife's car. Hey, Jim. I'm going for a drink with... Dad? Shit! I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? Il y a quelqu'un qui a, qui a volé le yacht. I know you didn't want it sold, but I need je pense money. Que... They don't want to buy it. They just want to take it. Oh putain, on va prendre cette voiture. You're insane. All right, I'm coming for my boat. Non, non, j'allais dire c'est une Audi, mais non. Mais ça y ressemble fortement, j'ai l'impression. Oh non, pas le devant. Donc là, on va aller aider son fils à Michael, parce que tout simplement, il devait s'occuper du bateau de la famille, donc un yacht. Donc je pense qu'ils sont assez fortunés pour avoir un bateau comme ça. Un yacht, ça coûte plusieurs milliers d'euros, voire des millions. Ça dépend de la grosseur du bateau. Mais bon, pour qu'il soit sur un bateau de enfin, sur un camion de transport, sur l'autoroute, je pense qu'il doit pas être énorme non plus, mais ça coûte quand même très cher. Donc je pense qu'ils sont assez fortunés, ces gens, rien qu'avoir leur maison et leur voiture, c'est déjà pas mal. Et puis, et donc là, il y a quelqu'un qui a volé le bateau, alors que son fils essayait de le vendre. Et donc là, on va se lancer à la poursuite de ceux qui ont volé le bateau. Et ça craint du boudin. Alors qu'on devait aller boire une petite bière au bar du coin. J'ai l'impression que ça se passe très bien. On est ici. Oh putain, d'accord. Il est là le bateau. Ouais, mais je pense qu'il était déjà pas. Il est déjà pas mal. Hein. Franchement, il est déjà pas mal le bateau. Il est quand même beau. Ça dandine. Hein. Ça dandine dur. Hein. Oh le bordel. Le bordel. Et qu'est-ce qu'il fait lui? D'accord, il va monter sur le... Oui, bah je suis désolé, je peux pas faire autrement. Oh la vache, le bordel qui fout. Oh, mais c'est carrément hallucinant là le truc qui se passe. Mais tiens-toi, tu vas te caméler. Ah! Mais il est con lui ou quoi? Franklin est mort. Ah oui, mais pourquoi il s'est jeté? Je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, on recommence la mission. Et c'est la première mission qu'on recommence. Et oui, Jamy. Allez, faut y aller cette fois-ci. Faut faire attention, faut bien rester. Faut être collé au cul du bateau. Et j'ai l'impression que l'autre, que Franklin va sauter sur le bateau. Mais je lis très peu ce qui est marqué en dessous. Donc je peux pas savoir ce qu'il faut faire, malheureusement.
Donc je vais essayer de lire un peu plus et de me la fermer. We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boy to try. More like the falling in traffic, party. You'll be fine. C'est tellement un gros bordel, mais qu'est-ce que tu veux Vas-y, mais saute. So you thought of everything, right? Well. Ben voilà, ça y est, t'es arrivé, enfin. Donc ça c'est le mode cinéma, mais bon, si je mets le mode cinéma après, j'arriverai pas à garder le yacht sans vue. Oh putain, ils sont en train de se battre. On peut pas prendre la peau de Franklin. Ah si. Putain, il y en a un deuxième. Il est mort, je crois. Je sais pas si c'est moi qui l'ai tué ou si. J'ai l'impression que ma voiture elle fume. Ma voiture elle fume, putain, les gens. Oh la vache, regarde-moi ce bordel. Putain, mais garde, accroche-toi. Je suis désolé, mais ma voiture elle fume, elle a plus de puissance. Ah, le bordel. Non, saute pas. Je vais faire ce qu'il faut, mais saute pas. Putain de voiture! Oh le bordel! J'ai mon fusil suspendu après le mât d'un bateau là, c'est. Voilà, très bien, parfait. Oh ah merde, putain, j'ai cru que c'était Franklin. Donc il n'avait pas le droit finalement de vendre ce bateau. Il n'avait pas le droit. Et voilà, ça y est, elle nous plante la voiture. Ça y est. Et merde, on, putain de bateau. Enfin. Il est mort. Donc là, on va aller au garage pour faire réparer la voiture parce que je vois qu'elle a quand même quelques soucis. Elle a plus de puissance. J'ai l'impression qu'elle en a quand même un peu. Please stop doing that. Listen, my boat. I fucked up, okay? My boat. I'm not gonna lie, that was my fucking boat. Bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all. Oui, mais en même temps, c'est un peu de la faute au fils là, d'un côté, hein. D'un côté, il a pas tort, le père, merde. Attends, le fils, il fait sa vie avec le bateau du père, là, ça y est. On va envoyer au gang là, ça y est. N'importe quoi. Je t'aime, Jimmy, mais t'es vraiment un petit con. Mais pour le moment, avec la perte de mon bateau, c'est tout ce que je comprends. Je peux pas tout lire, je peux pas vous lire le. En fait, j'aimerais bien vous lire le truc. Mais le problème, c'est que sinon, après, je vais faire des conneries avec le véhicule. Si je regarde que ça, ou alors je vais pas suivre le GPS. Ben la femme elle va être contente parce qu'au final il avait dit au début que c'était la voiture de la femme et ben putain elle va être contente la femme. Oh la vache le bordel. Il y a plus de bateau. Le fils a failli mourir. Franklin aussi. La voiture est morte mais finalement s'en sort pas mal. Franchement mais bon je dis que c'est pas mal. On fait des progrès dans le jeu.
Donc là, faut prendre la sortie. Pour myself a drink and look at her, Jacqueline. Did it clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Hey, dream careful. Other dreams, man. Yeah, sure, whatever. Putain, mais t'as de la place à droite, pourquoi tu te mets à gauche? Je comprends pas ce type. On roule à droite. Bon, certes, en Amérique, on roule à gauche, mais là, j'ai l'impression que dans ce cas-là, c'est on roule à droite. J'ai l'impression que cet épisode va durer un peu plus longtemps. Pourquoi pas? Tiens, on a eu souvent des épisodes courts. Après, au début, il était un peu plus long, mais l'épisode 2 et 3 étaient un peu courts. Pourquoi même mettre un petit épisode long? C'est sympa, on apprécie toujours. Oh, il doit y en avoir un aéroport. Regardez les avions là qui passent, c'est magnifique. C'est des jets privés là. Oh, c'est magnifique. So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. On va aller tuner la voiture. Putain, c'est pas mal. On peut customiser les voitures. C'est pas mal. Allez. On va repeindre, on va les customiser. Ça va être péter sa mère. Allez. On part réparer la voiture de la femme à Michael qui s'appelle Amanda. Alors déjà, combien ça va nous coûter de faire repérer le moteur réparer le moteur, pas repérer. Alors franchement, le gars est franchement superbe. Franchement, quand il disait que c'était un ami à lui, c'était pas pour rigoler, hein. Parce que réparer le véhicule, 0$, alors qu'il faut entretenir le moteur et réparer la carrosserie, franchement, je trouve ça pas mal. Il est sympa, son pote. Et voilà. Alors, on peut mettre un petit blindage. Et pourquoi pas. Ah merde, non, il faut faire attention. On s'en fout du reste, fais voir par choc. On s'en fout, c'est à peine visible. Moteur. Non, pas spécialement. Moi, je veux surtout quelque chose qui se voie. On va mettre ça. Un capot. Non, c'est pas beau. Non, ça, on s'en fout. Moi, j'aime bien les phares aux xénon. Mais bon, je suis désolé, j'ai pas vu. Peinture, couleur principale, chrome. Est-ce que ça serait pas mieux de garder la peinture principale rouge et la peinture secondaire chrome? Moi, je la trouve sympa, celle-là, comme ça. Allez, on va faire ça. Ça, on la met toute chrome. Non, ça fait un peu trop chrome. On verra par la suite si on peut y revenir. Ici, on la fait blanche, très non, en argent bleuté. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme couleur? Rose bonbon. Non, ça me dit rien. Ça va aller, merci. Ah, j'ai une belle couleur qui pète. Bleu nocturne. J'hésite entre celle-là et le bleu nocturne. Bleu ciel. Non. Bleu. Mais moi j'aime bien cette couleur. On va prendre celle-là. On pourra y revenir. Sinon il y avait du mat. Non, mat, non. C'est pas grave. Métaux. Ouais, non, c'est pas grave. Nacré. Ah ouais, elle aurait pu être nacrée. Mais fais voir une peinture métallisée. Non, ça coûte trop cher. Et de toute façon, maintenant j'ai mis bleu. C'est pas grave. Je pense qu'on pourrait y revenir parce qu'on a vraiment pas assez de sous. Alors là, c'est pareil. On peut pas mettre le pare-choc. Ah, un petit élan. Ah, comme ça, c'est sympa. Putain, ça gère.
suspension. Non, parce qu'on n'a pas assez d'argent. Transmission, on n'a pas assez d'argent. Turbo, on n'a pas assez d'argent. Les roues, type de roue, Audia. Non, laisse tomber. On peut pas prendre des roues différentes. Fenêtre. Oh, on peut faire un petit fumée. Oh, noir carrément. Genre, tu vois pas l'intérieur. On va prendre un petit fumée clair. Voilà. C'est bon, on a fini. On a bien customisé la voiture. Elle est super belle. Alors, qu'est-ce que ça donne à la lumière? Et ben, elle pète. Elle pète. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Elle pète. Mettez en commentaire si elle pète pas, cette voiture. Allez, donc là, il faut qu'on se rejoigne à la maison de Michael. Donc là, on va essayer quand même de pas foncer dans les voitures. Ça serait sympa. Sure. Jimmy, ain't he? Or James? Jimmy. Or just like... Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Papa's all like, he's ouais, been voilà, down je there peux pas regarder le... Regardez-vous les... Ils se marquent en bas leur conversation, mais moi je suis désolé, je peux pas regarder. Faut que je regarde la route, sinon je vais conduire comme une merde. Et je vais escanter la bagnole. My dad is retired, like fully. Like his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay. Jimmy, shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost to your job. It's hard. Hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. No. Fired as such, I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Voilà, on est arrivé. Avec notre belle petite voiture, yo, maintenant. So, like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just, like, chop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Et voilà. Et voilà, on a terminé cette nouvelle mission. Donc on a un nouveau contact, c'est Michael. Et bah écoutez, on va rester là pour aujourd'hui. Alors on va regarder un peu le message de Jimmy, parce que là aujourd'hui j'aurai pas le temps de le lire, parce que j'ai envie de me détendre un peu, parce que j'ai fait plus de deux heures, enfin plus d'une heure d'enregistrement aujourd'hui. Sans parler des enregistrements d'hier, donc ça fait plus de 2 heures au total ce week-end. Donc s'il vous plaît, laissez-moi un peu tranquille maintenant. Bon, ça me plaît en même temps de faire ça, mais bon, voilà. J'ai fait ça là, c'est le 4e enregistrement d'affilée que j'ai fait sur le Let's Play. Au bout d'un moment, j'ai envie de me détendre un peu. Voilà, donc on va regarder ce message. Donc c'est un message de Jimmy. Yo Franklin, je t'ai ajouté sur Leaf Invader, un peu comme Facebook, j'ai l'impression. Accepte ma demande pour qu'on puisse se voir. Contacte-moi quand tu veux et on fera un truc. A plus. Leaf Invader, est-ce que c'est là? Danisha, c'est fini. Franklin, je ne sais pas pourquoi je t'écris, mais crois-moi, ce n'est pas parce que je te dis... Ah d'accord, ça devait être son ex ou je sais pas quoi. C'est pas parce que je te dis secrètement qu'on se remette ensemble. Pas question, ni maintenant, ni jamais. Tu es comme tu es et on n'y peut rien. J'ai longtemps entendu, mais tu ne... je me suis perdu. Mais tu ne changeras pas. Je suis quelqu'un d'autre à présent et je suis enfin heureuse avec tout ce que j'ai traversé après la mort de mon frère. Je comprends que la vie que tu mènes n'est pas faite pour moi. Non, je l'ai toujours su. Je ne suis pas assez forte. Je n'en ai pas envie. Je cherche autre chose et certainement pas de l'argent.
Bref, j'essaie juste de te dire au revoir. Tu resteras toujours mon avis, mais rien de plus. Tanisha. D'accord, pourquoi pas. Leaf Invader, on doit le trouver, je pense, sur internet. Médias et divertissement, ça doit être. Ah, Leaf Invader. Franklin, photo, encore merci de nous avoir fait virer. C'est la dernière fois que tu me fais chier avec tes conneries. Trevely ou Clinton. Oh, Tim Clinton. C'est peut-être la sœur à Madame Clinton. J'ai jamais vu autant de chauffards inconscients à Liberty City. Tu serais dans ton élément. Où est tout l'argent que tu as gagné avec ton prétendu boulot? Parce que je n'en ai pas vu un centime. C'est à cause de ta grand-mère, elle te gâte trop. Saleté de fils unique. C'était du délire, Vespucci, mec. Il faut qu'on demande une augmentation iétérienne. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette bécane? Pourquoi tu compliques toujours les choses? Employé du mois, tu parles d'une connerie. Ok, donc ça, c'est un peu notre Facebook. Ami. Ami. Photo. On va voir nos photos. Activité entrepreneuse, situation amoureuse ouverte à toute opportunité. C'est mon Ethereum, ta niche. Est-ce qu'on peut, on peut pas accepter la demande de Jimmy? Je sais pas comment on fait. Retour à mon profil. Bon, écoutez, je vais pas y rester 500 ans, ça sert à rien, plus l'épisode est terminé. Allez, on se dit à la pro... Oh, pardon, merde! Excuse-moi, mec. Je voulais pas faire ça. Allez, on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de... du Let's Play de GTA 5. Allez, bye bye! Où est ma télécommande? Ah, elle est là.